le chaos dans le centre d'accueil de Lampedusa. Les migrants s'enfuient devant des policiers italiens qui baissent les bras. Et pour cause, 4000 personnes s'entassent dans ce camp prévu pour 400 réfugiés. Ils viennent du Soudan, de Guinée ou du Tchad, parfois secourus, comme ici, directement par les habitants de l'île. On attend une ambulance, la Croix-Rouge, je ne sais pas, quelqu'un. Ils sont arrivés à bord de ces embarcations, plus de 120 en à peine 3 jours. 7000 réfugiés d'Afrique noire qui tentent la traversée après la fin des intempéries. Leur point de départ, Tripoli en Libye et surtout le port de Sfax en Tunisie, moins contrôlé. Pour faire baisser la pression, l'Italie les évacue vers la Sicile, à bord de ses ferries, alors qu'elle doit en théorie étudier leur demande d'asile. Ils partent ensuite vers le nord de l'Europe, c'est-à-dire Ventimille, à la frontière française ou vers la Suisse. La France annonce renforcer ses contrôles à la frontière, à Menton. Depuis le début de l'année, 115 000 migrants ont emprunté cette route, un record depuis 2016. Wow, la famille, c'est chaud. Où va l'Afrique? Où va le continent africain? Franchement, en voyant cette image, ça fait très 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 mal au cœur. Parce qu'avant, on se disait que ouais, on est parti nous chercher des forces, nous amener en Europe. Mais là, c'est nous qui mourons dans la mer, dans le désert, traversés pour venir en Europe. On a parlé de l'esclavage, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que l'image a été couverte. C'est le même système, c'est le même système. Lorsque vous regardez aujourd'hui en Europe, tous les migrants qui viennent en Europe, soit on fait la sécurité, soit on travaille dans le bâtiment, le ménage. C'est nous qui travaillons ici, c'est nous qui construisons au fait l'Europe. Dans tous les pays européens, les migrants qui viennent, ce sont ces métiers qu'on fait. Donc l'esclavage a été masqué, mais c'est le même système, on est dans le même système. C'est nous qui venons maintenant de nous-mêmes, mais vraiment en mourant sur la route pour rentrer en Europe. Vous avez vu plus de 7000 migrants qui sont rentrés ces jours-ci, avec 120 embarquements. Vous vous imaginez, et de jour en jour, ça devient plus pire. La jeunesse africaine, elle est où? Si tout le monde va fuir. Moi, je suis dans le même système. Vous qui venez, vous êtes dans le même système. Ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en Europe ici, on est dans le même système. C'est vraiment chaud pour l'Afrique. C'est vraiment chaud pour nous. On a beau condamner l'esclavage, c'est la même chose. La colonisation, c'est la même chose. Cette déportation, nous menons nous-mêmes pour venir en Europe. On n'est pas parti nous chercher, mais nous, on vient de nous-mêmes. Dans quelques années, comment ça va être le continent africain? Comment ça va être notre pays? La destinée de l'Afrique? Réveillons-nous, peuple, réveillons-nous. Il est temps qu'on se réveille. Vraiment, cette vidéo, ça me choque, ça me choque. Il n'y a que des jeunes. Il n'y a pas de vieux, il n'y a que des jeunes. Que des gamins. Ça, c'est l'avenir de l'Afrique. On vient chercher l'avenir ici, en Europe, oui, mais c'est quoi notre avenir? C'est quoi l'avenir de l'Afrique? Voilà, c'est vraiment dommage. Une telle immigration massive, franchement. Voilà, on essaie toujours de conscientiser la jeunesse consciente africaine. Soyons optimistes. Voilà, ça va y aller un jour, ça va y aller. La famille, partagez au maximum la vidéo et n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires. Continuons à sensibiliser le peuple africain. L'avenir de notre continent est dans notre main. Voilà, si on fuit tous le pays, qui va construire pour nous? Voilà, la lutte continue.
continuons à sensibiliser nos frères et sœurs. Voilà, grosse force à vous, on est ensemble.